Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssato, l'art divinatoire. Donc aujourd'hui, mes chères sorcières et sorciers, je voulais faire une vidéo de comment faire un sortilège pour être toujours magnifique, attirant et belle ou beau, pour attirer que de belles énergies ou simplement pour se sentir bien dans sa peau et pas avoir de doutes par rapport à votre physique, par rapport à votre beauté, pour démarrer la journée en toute confiance. Et souvent les miroirs sont souvent utilisés en magie parce que les miroirs reflètent l'autre monde, d'autres dimensions. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Je ferai d'autres vidéos, donc suivez ma chaîne, abonnez-vous, likez, laissez votre commentaire, likez, partagez et pour tout ce qui est consultation, vous regarderez le lien en bas de mes vidéos. Donc je vais juste faire une vidéo assez courte, explicative de comment faire la magie avec le miroir pour garder une belle apparence, pour juste se sentir bien dans sa peau. Souvent, ce que des gens font, qui n'est pas bien et qu'il va falloir arrêter, c'est que vous vous regardez dans un miroir en disant « Oh, je me trouve pas belle aujourd'hui, je me sens pas bien, regarde mes joues, regarde mes yeux, oh là là, je suis grosse, je me trouve énorme. » Vous reflétez cette énergie dans votre corps. Ça veut dire que on est quand même sur la loi d'attraction. Ça veut dire que vous reflétez cette négativité dans le miroir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les autres vous voient comme ça. Par contre, il est important de regarder un miroir en disant, la journée, quand vous démarrez la journée, vous regardez votre miroir en disant, waouh, je suis belle, je suis magnifique, je me sens bien, regarde mon corps, je suis juste splendide, la journée va bien démarrer pour moi. Vous reflétez une belle énergie dans ce miroir et ce miroir reflète cette énergie dans le regard des autres vers vous. Donc, le miroir peut être un magie hyper important. Mes sorciers ou sorcières, le miroir peut être une bonne magie pour démarrer la journée, une bonne magie pour refléter des énergies positives. Regardez votre miroir, envoyez que de l'énergie positive en disant, si vous avez envie de mettre des maquillages qui peut-être ne plaît à personne mais qu'à vous, vous avez le droit dans ce miroir-là. Si vous avez envie de ne pas être maquillée et que vous vous sentez bien sans maquillage, vous avez le droit. Mais il est important dans l'univers entier de se sentir bien dans sa peau. Déjà, la première chose, c'est que quand vous vous sentez bien dans votre peau, vous attirez que de belles choses vers vous. Quand vous n'êtes pas votre propre critique, les autres ne vont pas chercher à vous critiquer. Soignez votre apparence. Je ne vous dis pas de vous maquiller pour être belle. Certaines personnes adorent se maquiller, ce qui est bien. Si vous voulez faire un maquillage qui ressemble à peut-être un masque, vous avez le droit. La seule chose à faire, c'est que dans ce miroir, vous reflétez l'énergie positive dans cette miroir. Vous lui dites tout ce que vous voulez être, toute cette beauté, comment vous souhaiterez que cette beauté soit pour les autres, pour que les autres puissent vous voir, ou déjà pour vous. Le miroir peut travailler sur votre confiance en vous. Ça peut être la première chose que les gens voient. Souvent, les gens voient l'apparence physique avant de voir l'intérieur. Donc, il est important de vraiment soigner cette apparence physique en déjà travaillant sur votre propre confiance en vous, en vous levant chaque matin en disant « Je suis magnifique, je me trouve belle, je me trouve pas grosse, ne utilise pas, je me trouve pas grosse, c'est négatif. » Il faut toujours utiliser un positif. « Je suis belle, je suis magnifique. » La journée démarrait en toute beauté. Les gens seront attirés par moi, les gens viendront vers moi. Les gens vont m'adorer. Je suis magnifique. Je suis suivie par mes anges, par mes guides. Je suis aimée. Je suis adorée. Je vais aimer les autres. Je vais recevoir l'amour aujourd'hui et les autres vont recevoir aussi de l'amour. Toujours rester dans la positive. D'abord, soignez votre apparence. L'apparence est tout aussi. La beauté physique est importante, la beauté intérieure est importante, mais il est important que vous soyez en accord déjà avec vous-même pour que vous puissiez voir la beauté qui est en vous, pour que vous puissiez voir votre potentiel. En faisant ça tous les jours, en regardant votre miroir, que ce soit le matin, le soir, en prenant juste
5 secondes et te regarder dans le miroir en disant « Je suis magnifique », vous activez une belle énergie au cours de votre journée. Vous allez vous passer, les autres vont vous regarder, ils vont sentir quelque chose en changer sur votre énergie. Donc, mes chères sorcières, sorciers, des personnes qui croient en Dieu, des personnes qui croient à la nature, le monde entier, il est important de travailler sur votre confiance en vous, en arrivant à avoir confiance déjà en vous. Ne demandez pas aux autres d'avoir confiance en vous. Demandez déjà à vous-même d'être en accord avec vous-même. Donc, travailler sur les G, je suis en accord avec ce que je suis. J'aime mon corps tel que je suis. Le critique des autres ne me dérange pas parce que je suis déjà en accord avec ce que je suis. Si ma voix vous dérange, si mon look vous dérange, ça c'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Vous voyez, je le garde en positif. Je rejette tout ce qui n'est pas de bienvenu. J'accepte tout ce qui est bien pour moi. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ce que les autres voient. Déjà, la première chose est de travailler sur votre miroir. Votre miroir. Donc, j'espère que cette petite détail sur cette magie va vous servir au cours de la journée, au cours de l'année. Laissez votre commentaire, likez et je ferai d'autres vidéos pour des symboles magie, pour activer l'abondance, pour activer la richesse, pour activer l'amour. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous aime, que votre guide vous apporte plein d'amour. Votre miroir.